Céline a été internée. Elle a sombré dans un état de prostration. Je voulais surtout que tu saches que Charlotte va bien. Le fait de voir sa victime en vie pourrait provoquer une réaction. Il ne faut pas renoncer à vivre, Céline. Ça va aller maintenant. Pardon. Je suis contente de voir que tu vas mieux. Pourquoi tu caches à tout le monde qu'Iris est ta vraie mère? Je me vois pas arriver comme ça, dire bonjour, je suis le fils d'Iris, je cherche mon père. Est-ce que vous étiez amoureux d'elle? Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est lui, je sais pas pourquoi, je le sens. Ce minot, il cache quelque chose, j'en suis sûr. Moi, je peux te demander pourquoi tu t'intéresses à cette vieille affaire? J'ai connu Iris Lenoir il y a longtemps et j'ai appris récemment qu'elle était morte assassinée. Iris Lenoir était ma mère. J'ai quelque chose à te dire. Je suis peut-être père, j'aurai un fils. Attends, tout colle. T'emmènes mon fils. Le plus important, c'est pas de connaître mon père, c'est de savoir qui a tué Iris. Je crois que je suis ton père. Je voudrais que tu me procures un dossier d'instruction. Iris Lenoir, assassiné à Aix-en-Provence il y a 22 ans. C'est épouvantable. Quel genre d'être humain est capable de faire ça? Elle était jeune, sans défense. Tu veux me dire pourquoi? En général, les mobiles tournent autour du désir ou du fric. Mais ta mère avait pas d'argent et il n'y a pas eu de violence sexuelle. La vengeance? Un homme qu'elle aurait largué? C'est possible, ouais. Il fallait que le type soit bien cinglé à la base pour faire un truc pareil. Regarde. C'est quoi? C'est un pentagramme. Quand la pointe est dirigée vers le bas, c'est un symbole satanique. Il y en avait un à côté du corps de ta mère. C'était vraiment un dingue, alors comment ça se fait qu'on l'ait jamais coincé? Parce qu'en dehors de ces moments de délire, ce genre de type vit comme toi et moi. Il a un patron, des voisins, et il a parfois même une femme et des enfants. C'est le type normal, en quelque sorte. Presque. Sur un crime isolé, il peut parfaitement s'en tirer. Mais les flics n'ont pas dû le chercher beaucoup, quand même. D'après le dossier, ils ont parfaitement fait leur boulot, mais... Si depuis cette affaire, l'assassin se tient tranquille, on n'a aucune chance de le repérer. Et t'es sûr qu'il n'y a aucun recoupement avec un autre crime? Écoute, on s'en serait aperçu. Mais c'est pas banal, son truc. C'est pas tous les jours qu'on trouve des femmes égorgées avec ce genre de symbole sur le lieu du crime. C'est assez rare. Je sais que c'est dur, Thomas, mais... Ce dossier est classé depuis tellement longtemps que le mieux que t'as à faire, c'est d'essayer d'oublier, de penser à toi, à ta vie. Penser à moi. J'oublierai pas tant que ce type n'aura pas payé. Vous avez quand même retrouvé un fils. C'est pas rien, ça. Je sais. En même temps, je crois que j'en ai perdu un autre. Alors. Oh, mais non. François, il est juste en colère, c'est tout. Ça lui passera. Pas sûr. Je t'avais vu le regard méprisant qu'il m'a lancé quand je lui ai appris que Thomas était son frère. Ben... Ça t'étonne? Non. Ben, si, un peu. Je pensais pas que ça le mettrait sans dessus dessous. Comment t'aurais voulu qu'il le prenne? Bravo, papa, t'as cocufié maman. Non, mais j'imaginais pas qu'il pourrait être déçu à ce point. Allez, patron, vous minez pas. C'est normal qu'il soit un peu à l'envers. Hein. Hey, ça retourne, hein, ce genre de nouvelles. Parce que ça a pas été un choc pour moi, peut-être. Je te trouve bien sûr de toi, parce que Thomas, si ça se trouve, il est pas plus ton fils que je suis gogo danseur. Mais c'est qui le père, alors? Si t'as une idée, n'hésite pas. Ouais. Même si François finit par me pardonner, Myrta, hein, notre père est de moufle. Hein. Parce que je savais qu'elle était jalouse, mais alors à ce point... Qu'est-ce que t'allais te fourrer dans cette merde aussi? Je t'avais pas dit de la fermer au sujet de Thomas? Qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça? Comme ça ou autrement, on croirait que ça sert à rien avec toi. Oh, puis tu me fatigues, tiens. Bah, décidément, c'est pas votre semaine à vous. C'est vrai? Je peux sortir? Pour une journée seulement. Ça veut dire que je vais mieux? Un petit peu mieux. C'est pourquoi j'ai obtenu cette sortie thérapeutique, ça te changera les idées. C'est génial. Je vais pouvoir reprendre contact avec l'extérieur et revoir les gens que j'aime. Ça dépend lesquels. Ta famille peut t'aider, mais... Rassurez-vous, je n'irai pas harceler mon mari. Je t'interdis même d'aller au Mistral. Ça ravivrait des souvenirs pénibles et tu n'es pas assez forte pour les affronter. Vous pensez que les Mistraliens m'en veulent encore? Charlotte m'a pardonné, elle. Elle t'a aidé, le pardon c'est autre chose. N'oublie pas que t'as menacé les gens avec une arme. Même s'ils ne t'en veulent plus, ils n'ont pas oublié. Je comprends. Si cette première sortie se passe bien, il y en aura d'autres. Pense-y. Alors, je peux te faire confiance? Vous êtes plus angoissé que moi, on dirait.
Si tu fais la moindre erreur, tu retardes ta sortie définitive. J'en ai pas la moindre envie, vous pouvez me croire. Je vais chercher mon sac et je file. Pas question de perdre une minute de cette merveilleuse journée. Une dernière chose. Faut que tu sois rentré impérativement avant 19h. Je serai là, c'est promis. C'est pour que tu ne m'oublies pas quand je serai à Paris. Mais tu pars seulement une semaine. C'est magnifique. Elle te va? Je peux la faire rétrécir, hein, ou je peux même l'échanger si tu veux. Si tu veux me la reprendre, il faudra me couper le doigt. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une bague. Ah, c'est le symbole qui t'ennuie? C'en est un. C'est pas une bague de fiançailles, si c'est ce qui t'inquiète. C'est pas ce que j'ai cru, je sais que t'es encore mariée, mais... C'est pas une demande en mariage, mais j'ai quand même quelque chose à te demander. Quoi? D'être la mère de mon prochain enfant. Tu veux vraiment qu'on fasse un enfant? Je vais être liée à toi pour le reste de ma vie. Je pensais qu'après Céline, tu voudrais plus jamais entendre parler d'enfant. C'est surtout de Céline dont j'ai pas envie d'entendre parler. Alors, tu veux bien faire un bébé avec moi? 2, 3, 12, si ça peut te faire plaisir. Ce qui me ferait plaisir, ce serait qu'il ait tes yeux, ta bouche, ton charme. Un jour avec les tes mains, ton regard, ta bouche. Alors, tu t'es embrouillé avec papy? Si c'est la journée des questions emmerdantes, vivement minuit. T'es pas content d'avoir un demi-frère? À mon âge, j'ai plus besoin de personne pour jouer aux billes. T'es jaloux? De quoi? Bah que papy ait un autre fils. Ça reste encore à prouver. C'est d'avoir un frère homosexuel qui te dérange? Je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut. Alors qu'est-ce qui t'embête? J'arrive pas à encaisser que ma mère ait été trompée, si tu veux savoir. Ouais, je comprends. Quand j'ai appris que maman avait un amant, j'ai pas non plus sauté de joie. Ouais, mais pour papy, c'était il y a longtemps et c'est arrivé qu'une fois. Ça, c'est ce qu'il dit. Je pense pas qu'il la trompait tous les 4 matins non plus. Ouais. Mais à l'autre, il lui faisait des cadeaux. Il lui disait je t'aime, il lui faisait l'amour. Et ma mère continuait de lui faire à manger, de lui repasser ses chemises et de lui faire son lit. T'es bête. Non. Je suis déçu. Bien, on lui a pardonné, nous, à maman. Eh ben, faut croire que j'ai pas votre largesse d'esprit. Avec mon père, on a eu des périodes terribles, on s'engueulait tout le temps. Mais j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un de droit. J'avais du respect pour lui. Ça va, il a tué personne. J'ai pas dit ça non plus. Bon, en tout cas, moi, je suis contente d'avoir un oncle. Eh ben, tant mieux. Ça fait au moins une heureuse dans la famille. Ça peut paraître idiot, mais j'y pense en permanence à cette Iris. T'as plus rien à craindre d'elle, elle est morte. Ben, justement, c'est bien ce qui m'inquiète. Quoi? Si elle était encore vivante, elle serait vieille aujourd'hui. Et alors? Roland pourrait comparer. Alors que là, elle est belle, jeune et envoûtante pour l'éternité, elle. En gros, tu préférerais être morte? Dites pas de bêtises. Qu'est-ce qui te dérange au juste? Qui m'ait menti? Je suis désolé, Roland, d'avoir mis le bazar dans votre vie. Mais faut pas, c'est pas de ta faute. Si j'étais resté à Aix, vous seriez pas disputé avec Myrta, ni avec votre fils. C'est pas toi qui pose le problème, ce sont mes mensonges. Je devrais peut-être arrêter de bosser ici, non? Ah non, pas question. Ça nous empêcherait pas de nous voir, mais ailleurs, plus discrètement. Ça calmerait peut-être les esprits, non? Tu veux qu'on se voit en cachette comme des voleurs? Mais on n'a rien fait de mal, Thomas. C'est courageux d'assumer vos erreurs, mais... Tu n'es pas une erreur. Tu es un jeune homme formidable, et moi, je suis très fier de toi. Alors tu restes et on n'en parle plus. J'ai besoin de toi. Faut que tu restes, s'il te plaît. Tu verras, tout s'arrangera. Tu es chez toi, ici, et comment on pourrait mieux apprendre à se connaître qu'en travaillant ensemble, hein? Eh ben, entre, on va pas te manger, hein? Oh, voilà plus belle. Je te demande pas si ça marche avec Rudy. T'as la tête de quelqu'un qui nage dans le bonheur. Bonjour. Bonjour. Il paraît que vous êtes de la famille. On n'est pas encore sûr, mais... Quand je
compte que ça fait des années qu'il me serine avec son couple idyllique. Émireille par-ci, Émireille par-là. C'est vrai, ils étaient très heureux. Vous étiez au courant qu'il l'a trompé? J'avais remarqué que Iris ne lui déplaisait pas, mais je savais qu'il quitterait jamais Mireille. C'est ça. L'épouse pour la sécurité et la maîtresse pour les galipettes. Vous l'avez trompé, vous, Albert? Jamais. Et lui? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? De toute façon, ça m'a jamais fait souffrir, c'est l'essentiel. Mais arrête de torturer. C'est pas toi qui l'a trompé, c'est Mireille. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Toi, tu es vivante. Allez, profite de ta belle histoire d'amour. Au lieu d'emmerder le monde avec tes crises de jalousie imbécile. Ah. Bonjour, Charlotte. Ah. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fait le mur pour m'enfuir de la clinique. On m'a accordé une sortie thérapeutique. Ça prouve que vous allez mieux, alors? Les médecins le pensent. J'ai juste droit à une journée de liberté, mais ça me fait déjà le plus grand bien. Et vous? Votre bras? Pas facile de tout faire d'une main, mais ça va. Ça me fait plaisir de voir que vous vous remettez. C'est en grande partie grâce à vous. À votre visite et au fait que vous n'ayez pas porté plainte. Je ne trouverai jamais les mots pour vous remercier. Alors ne dites rien. Et vous avez bonne mine? J'ai l'air reposé, sans doute. Vous savez, quand on passe son temps à dormir, c'est pas très compliqué. Elle est très jolie. Merci. Vincent a toujours eu beaucoup de goût. Je sais que vous allez avoir du mal à me croire, mais je suis sincèrement heureuse pour vous deux. Charlotte, tu peux monter deux secondes? J'arrive pas à mettre la main sur... Bonjour, Vincent. Vincent, Céline a obtenu la permission de sortir pour la journée. Elle voulait me remercier. Il faut qu'on parle. Si tu veux, mais... C'est bien ce que tu fais pour lui. C'est ni bien ni mal. C'est naturel. Et t'as raison de pas les laisser prendre la tête. Ouais, j'essaie, mais c'est pas simple. Tu verrais, Myrta, elle est remontée comme un coucou. Je te parle pas de ton père. Hein. Tu dois en entendre de belles sur mon compte. Non. Ouais, il a fait fort. Mais il hurle, alors forcément, il dit des trucs débiles. Oh, faut le comprendre. Ouais, mais bon, ok, c'est dur, mais qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Que tu jettes Thomas dehors? Non, c'est pas ça. Il m'en veut parce que j'ai trompé ta grand-mère, voilà. Ouais, mais dans ce cas, moi aussi, j'adresserai plus la parole à maman. Ça, tu vois, quoi qu'elle fasse, je pourrais jamais. Mais ton père, il ne fera pas non plus la gueule indéfiniment. En tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir un oncle aussi sympa que Thomas. Et puis, ça me ferait un cadeau de plus pour Noël. Seulement si t'es sage. Je m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Alors qu'est-ce que t'es venu chercher? La paix. J'ai du mal à te croire. Je suis en thérapie. J'ai entamé un long travail sur moi-même. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est avoir une vie normale. Qu'est-ce que tu entends par là? Être aimé, aimer en retour et avoir des enfants. Avec qui? Rassure-toi, je sais que ce sera pas avec toi. En effet. Je me suis fait une raison, tu sais. Tu m'as tellement servi ce discours qu'aujourd'hui, je me méfie. Et pourtant, ce coup de pistolet sur Charlotte m'a vraiment remis les idées en place. Même si c'était un accident, j'ai eu tellement peur de lui avoir fait du mal. C'est vrai que ton discours semble cohérent. Parce qu'il l'est. J'ai vraiment disjoncté. Mais c'est fini maintenant, tu n'as plus rien à craindre. Je suis venue vous voir pour vous dire que je vous souhaitais tout le bonheur du monde à Charlotte et à toi. Et à Ninon aussi, bien évidemment. Ça me fait plaisir que tu ailles mieux. Je vais bien. C'est une sensation que je n'ai pas eue depuis longtemps. J'espère que tout ira pour toi maintenant. On peut tourner la page alors? On verra. T'as pas confiance? C'est normal. En tout cas, c'est très gentil d'avoir pris le temps de m'écouter. Ça m'a fait du bien. Bonjour. Ouais. Je sais que vous êtes très en colère contre moi. Je suis pas très en colère, j'ai un peu la haine. Je comprends. Non, vous comprenez pas.
J'ai aucune envie de vous piquer votre père. Prenez-le. Je vous le laisse. Un père, ça se partage. Pas avec un inconnu. Désolé de vous balancer ça aussi franchement, mais de penser que mon cher papa a une liaison avec votre mère, ça m'énerve. Et pourquoi? Parce que leur partie de jambes en l'air aurait pu briser le mariage de mes parents. Je crois pas, non. Je pense que Roland et ma mère étaient pas faits pour un mariage heureux avec beaucoup d'enfants. C'est avec la vôtre qu'il a choisi de vivre. Sinon, il aurait suivi Iris quand elle est partie. Peu importe. La couleuvre a du mal à passer. Et je pense qu'elle va me rester encore un bout de temps à travers la gorge. C'est dommage. Mais je vous assure que je vous comprends. Bonjour. Bonjour. Je dois vous paraître égoïste et puéril? Non. Vous me semblez déçu et amer. C'est pas contre vous. Je sais. C'est contre le mensonge. Vos illusions perdues. Pourtant, rien ne prouve pour l'instant que Roland soit mon père. Il en a la conviction, en tout cas. Moi aussi. C'est peut-être parce que je voulais que ça soit lui. C'est le père que tout fils rêverait d'avoir, non? Faites quand même attention. Il est très décevant. Arrête. Si tu vas mieux, c'est à toi seul que tu le dois. Tu y es pour beaucoup, quand même. Oh, non. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était naturel, je suis ton ami, non? Et puis, Sinbad, il est pas du genre lâcheur. J'avais remarqué. T'es le seul qui m'a toujours soutenu. Pour le moment, tu dois penser à toi, à ton avenir, à ta vie. Et puis le reste, putain, on n'en parle plus. J'y compte bien. Mais je voulais quand même profiter de cette journée pour remercier les gens qui m'ont aidé. Toi? Charlotte aussi. Ah, t'es passée à l'atelier? Ça s'est très bien passé. J'ai vu Vincent aussi. Et pour la première fois depuis des mois, on a pu parler calmement. Tant mieux. Bon, il n'est pas convaincu à 100% de ma guérison. On peut le comprendre. Il n'a pas tort non plus. Je sais bien que je ne suis pas complètement guérie, mais les médecins pensent que je suis sur la bonne voie. C'est l'essentiel. Je suis sûre que tu vas voir le bout du tunnel. Et pour une fois, Vincent m'a écoutée. Je crois même qu'il est prêt à me refaire confiance. Tu dois lui prouver qu'il peut te faire confiance. Bon, mais c'est bien. Tout est fini maintenant. Presque. J'ai pas arrêté de penser à toi depuis ta dernière visite. C'est gentil de penser à moi. C'est rare, tu m'as pas habitué à ça. J'avais tort. Malik, je me demandais si après tout ce qui s'était passé, tu pensais que... Est-ce que quelque chose est encore possible entre nous? Merci d'être venu si vite. Tu avais l'air tellement bouleversé. Pourquoi tu n'as rien voulu me dire au téléphone? Je me suis fait incendant pendant tout le trajet. Je suis tombé sur un livre qui parle des rites sataniques. Et à l'intérieur, il y avait le dessin du signe qui a été retrouvé près du corps de maman. Il doit y avoir des tas d'ouvrages de ce genre. Il y a même des librairies spécialisées dans l'ésotérisme. C'est dans la chambre de Léo Castelli que j'ai retrouvé ce bouquin. Je n'aime pas ça du tout, Thomas. Tu sais ce que tu risques si tu te fais attraper. Mais ce type n'est vraiment pas clair. Il faut être carrément givré pour s'intéresser à ce genre de pratique, non?
de café. Il doit y avoir une explication. On lui a peut-être prêté, ou bien elle était peut-être déjà dans la chambre d'hôtel quand il emménageait. Léo n'a rien à voir là-dedans, j'en suis certaine. C'est un homme intègre, profondément gentil, sous ses airs bourrus et sensible. Il serait incapable de faire du mal à qui que ce soit. On dirait que tu le connais bien. Et je l'apprécie beaucoup. Attends, ne me dis pas que toi et lui... Nous avons une liaison, oui. Mais t'es folle. Ne me parle pas comme ça. Et on parle comment à une femme qui couche avec l'assassin de sa propre sœur? Je fermerais plus l'œil si je te savais en danger. Je te demande juste de ne plus le voir pendant quelques jours. Si vous vous aimez et qu'il n'a rien à voir là-dedans, vous aurez toute la vie devant vous. Thomas, ne me demande pas de renoncer à un homme qui compte déjà beaucoup pour moi. Mais j'ai toujours eu que toi au monde. Je supporterais pas qu'il t'arrive la même chose qu'à maman. Tu peux pas me faire ça. Parle. Entre. Vous savez pourquoi je suis venu au Mistral? Ça peut plus durer, vous devez parler. T'as raison. Je te dois la vérité. Même si Roland... Thomas... Il se peut que ce soit moi ton père. Je veux savoir qui c'est ce gars, Joe ? Je sais pas. Ah ouais ? Pourquoi tu t'es tiré comme un lapin alors ? Je sais pas, il m'a mis mal à l'aise. Parce qu'il est aveugle ? Mais non ! Il ne prend pas pour un couillon, Ninon ! Tu le connais ? Laisse, arrête s'il te plaît. Dis-moi et après je te lâche. Tu me lâches tout court. Tout mais pas perdre mon âme.